Wilsdorf, vous connaissez? Sur les bancs, on appelle l'Alsacien. Il y avait un nom de poche. Wilsdorf, vous connaissez? On l'appelait le crabe tambour. Crabe tambour. Wilsdorf disait qu'il avait deux amis, vous et son chat. Tout le monde connaît son chat noir sur les bancs. Il l'appelle Monsieur Ma Conscience. Comme vous voyez, elle est toute noire. Je ne sais pas si je vais l'y regarder. Et comme vous voyez aussi, elle est incorruptible. Le choix de l'homme n'est pas entre ce qu'il croit, le bien et le mal. Ou entre le bien et un autre bien. Il faut choisir. Très difficile de dire non. De refuser une main tendue. Ne le jugez pas, docteur. Ne le jugez pas. Qui êtes-vous pour le juger? Croyez-vous aussi peut-être qu'il était innocent? Moi, j'étais sûr qu'il serait guillotiné. Le crabe tambour est venu sous le ciel du sud. Il a lavé son armure dans notre fleuve. Il a fait peindre des yeux à l'avant comme sur un bateau chinois. Une bouteille pleine de vin, c'est déjà du rêve. Mais avec un bateau dedans, toute voile dehors. Cap sur le crabe. Notre crabe tambour, docteur. On va finir par le rencontrer. Dans le nord. Pourquoi l'appelez-vous crabe tambour? Une histoire d'honneur et de discipline, poussée jusqu'à l'absurde.